Bon. On a oublié de... Avant de partir au trou numéro 14, on a oublié de régler le 16, qui est un par 3. Évidemment, on le sait. Maintenant, on le sait. Oups, peut-être que... Non, c'est bon. Vous j'ai pas encore essayé avec le petit truc. Oups, j'ai glissé juste avant. Ça va, c'est pas grave. 1, 2 et 3. Ouais, par 3, normalement, c'est bon. 3, ça m'a l'air gérable quand même. On va peut-être dire 4. Je sais pas, 3... Parce que moi, je sais comment taper et tout. Ouais, je sais pas. Ouais, à mon avis, c'est 4. Hein. Vu ce qu'on vient de faire. Ah, parce que moi, je suis hyper fort, c'est faussé, en fait. Non, 3, c'est bien, vous pensez? Allez, 3. Ouais, moi, c'est faussé, parce que je suis tellement fort au jeu, en fait. Vous vous dites, ah ouais, ok, 3, ça a l'air faisable, c'est facile et tout, mais... En fait, ça marche pas comme ça. Mais bon, admettons. Alors, j'ai envie de faire un truc qui passerait par là. On a des ponts dans les user content. Ils ont fait des ponts, ils ont fait des trucs. Non, ils ont pas trop fait des ponts. Après, les ponts, on peut les faire. Ah, si, il y a ça, ouais, à la limite, c'est toujours ça. J'aime pas trop ces blocs-là. Je l'ai fait une fois, je trouvais ça m'a un peu suffi. Après, les ponts, on peut les créer. Tu fais une map pour la Zilan alors que ça peut être annulé? Bon, ce sera jamais annulé. C'est pas le gouvernement qui décide si c'est annulé. Hein. Les ponts du Japon? Si, un peu quand même. Ah non, non! Ah non, non, non! Le gouvernement, ni le gouvernement ni le virus peut décider de l'annulation de Zilan. Hein. Ah, mais là, je rigole pas du tout par contre. Hein. Par contre, ils peuvent décider du report. Ça, c'est vrai. Mais il faut parler des bons mots. L'annulation, ni le gouvernement ni le virus peuvent l'imposer. Hein. Non, calmez-vous. Hein. Oula, oula. On se calme. Hein. Par contre, le report, c'est une autre histoire. Twerep. Ça, c'est bien. J'aimais bien ce bloc, là. Il est rigolo, ce bloc, là. Moi, je l'aime bien, ce bloc. Il me fait rigoler, ce bloc. Ouais, il est tout gentil comme ça. On voit qu'il cherche des amis ce bloc. Vous voyez? Pas mal ça. J'aime bien. Il est marrant ce bloc. Un bloc copain. Si on veut passer par-dessus, il faut se mettre plutôt là. Comme ça, il n'y aura pas de hole-in-one possible du début. Et on pourra faire son petit truc tranquille. Hein. Vive ce bloc. Exact. Regardez comme il a l'air sympa ce bloc. Vous avez pas envie de devenir ami avec lui? Moi si. Puis là vous ouais. Ouh. En fait le problème de ces trucs là, c'est que certes tu peux faire un petit saut, les gens vont être contents et tout. Mais derrière, un saut, ça permet d'aller où on veut pour les all-in-one, quoi. C'est terrible, quoi. Ça, moi, ça m'énerve. Tousse pas dans tes mains. Ah oui. Ok. Allez vous faire foutre. Alors. On y va. Là, ils vont se dire, oh, il est vulgaire. Je comprends vraiment pas pourquoi. Pourquoi chez lui, tout seul, alors qu'on est en confinement et qu'il est censé croiser personne, je comprends vraiment pas pourquoi il tousse dans sa main. C'est vraiment étrange. Regardez comme c'est stylé ça. Au lieu de dire des conneries sur un chat Twitch à propos d'un truc qui vous fait dire n'importe quoi. Regardez comme c'est beaucoup mieux ça. Cet escalier là. Le truc c'est qu'on pourra jamais monter sur l'escalier. On peut descendre mais ce bloc a l'air méchant. Ouais. Ouais, je comprends.
Ce qu'elle dit, il est rigolo, mais... Sur la rambarde ? Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Non, je sais pas, j'ai envie de passer par-dessus, mais je voudrais un vrai pont. C'est dommage. Red Shadow offre 2000 énergie pour le confinement. Ah ouais ? Ah, ça, c'est une vraie info, ça. Hein. Alors ça, si c'est vrai, il faut absolument que j'aille chercher ça. Hein. C'est vrai. Ah ouais ? Attendez. Je lance le jeu. C'est où ? Comment ça marche ? Stylé. Attendez quoi ? Ok. Comment ça marche ? Coffre en haut à droite. En haut à gauche, ça ? Ouais, non mais... Une petite charrette comme ça. En plus, pour le lore de la forêt, c'est pas mal. Oups. Un peu bizarre. Hein. Un peu bizarre. Ah, c'est vrai qu'on peut faire passer par une maison de bûcheron. C'est pas con, ça. Mais est-ce qu'il y a une maison de bûcheron ? Bon, on peut l'inventer. On peut dire que ça, c'est la maison de bûcheron. Mais non, c'est une grange. Rien à voir. Ouais, non, mais je vois très bien. Effectivement. Mining camp, windmill, reservoir. Ça règle pas notre problème. Ça ne règle pas notre problème. In four. Ouais. C'est vrai qu'on aurait pu, le long de cette super truc là, mettre des petites baraques comme ça. Ça aurait été sympa comme tout. Bon, on verra de toute façon pour la déco. Si tu mets du sol, pas besoin de pencher autant la charrette. C'est vrai. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai. Des ponts dans Jade Temple. Ouais, genre, mais je les ai vus, mais le truc c'est que... C'est des tout petits ponts. Après, normal, faut que les petites babales puissent aller dessus, mais... Faudrait les lever un peu. Wow. Ah, je peux pas y accrocher des trucs, c'est dommage. Après, il suffit d'en placer une de chaque côté et on sera bon. Tu peux tout agrandir. Ouais, je sais, non, mais on peut les agrandir, mais c'est pas utile de les agrandir. Si, ouais, pour le lore, quoi. Tu peux tout agrandir. Putain. Merci, vraiment. Merci de cette astuce. Comment je ferais sans vous ? C'est quoi le truc des pirates ? Ah, du sable ! Des blocs de sable. Attends, mais mines ? Ah, c'est pas pareil, graveyard ? Ah, c'est du plancher, mais moche. Du plancher moche. En plus, le pont est un peu abîmé, donc en vrai, le plancher moche, ça peut le faire, hein. Voilà, comme ça on peut attacher des trucs. Là on peut attacher celui-là et le tirer comme ça. Ouais, à peu près quoi.
un carré de plus. Voilà. Un truc comme ça. Un pont en bûche. Bah non. Il y a des bouts de pont. Oui, j'ai vu les bouts de pont. Les bouts comme ça, là. Accrochables aux autres. Effectivement. Après, c'est vrai qu'on aurait pu juste en faire un seul et réduire. C'est vrai. C'est vrai qu'on aurait pu en faire un et réduire. C'est vrai que c'est mieux. En fait, le problème, c'est que comme on n'a pas de sol rouge. Enfin, on a ça, mais ça va être trop chiant. C'est un bout de. C'est un bout de caisse. Ça va être trop chiant de faire rescaler tous les blocs. C'est quoi ça? Crate ornament. Il y a tellement de trucs à pouvoir poser sur les caisses. C'est marrant. Que ça même, ah ouais, ça s'agrippe même pas au pont. Ah ouais, c'est pas beau du tout. Ouais, c'est normal, c'est fait pour être laid, hein. Ça c'est normal, hein. Vous aviez bien compris, c'est que ce soit moisi moche, quoi. Moisi moche. Voilà, comme ça on va pouvoir y ajouter des trucs. Graveyard alors. Oh. Ah ouais, il se scale à la taille. Oh, c'est marrant, ça. Oh là là, du jamais vu. Du jamais vu, la gueule de ces blocs. Merde. Oh là là, la vache. Waouh. Superbe. Non, mais c'est pas la peine, hein. C'était vraiment pas la peine de se donner ce mal. Non, par contre, effectivement, pour faire ça, là, pour le coup, c'est pas mal. C'est pas mal utile, quoi. Ah ouais, putain, et même ça, ça scale. C'est trop bien. Wow, ok. Ah ouais, tu peux partir dans ce sens-là et tout. Ah ouais, ça c'est pas mal, hein. Ok, je vois. Et là, du coup, ça repart en taille normale. Ah non, même pas. Du coup, comment on fait pour repartir en taille normale? Mais c'est bizarre, ça. Ça devrait pas faire ça. Ça faisait pas ça tout à l'heure. Tu rescale. Ouais, non, mais même. Quand même, normalement. Normalement, ça fait pas ça. C'est la première fois que je vois ça, en fait. Parce que quand on rescale un plateau, il rescale le reste. C'est très étonnant. Faut être au sol. Ouais, non, non, mais bien sûr, mais. Non, mais sinon, je refais un bloc et il rescalera la suite, mais. Non, mais tant mieux après, hein. Tant mieux que ça marche comme ça. Rescale une fois posé. Ah, tu peux pas. Tu peux pas là, tu peux pas rescaler quand c'est bien remis. Ok. Je pense là, ce qui serait pas mal, c'est de faire un. Je vais démarrer d'ici. Attendez, je vais démarrer d'ici. Ok. Je sais pas s'il y a une boss, j'arrive pas à voir. Je crois qu'il n'y a pas de boss. Difficile de le dire. Non mais si, il y en a une en fait. Voilà, là, il n'y en a pas. Ok. Alors,
On va faire le parcours le plus long qu'on ait eu, genre un par 7 ou 8. L'idée c'est qu'on puisse pas aller au pont en one shot. À part en faisant ça évidemment, je pensais pas être aussi fort. Super. Donc c'est 14. Ok, alors. J'ai dit 14. C'est bizarre, pourtant il aurait dû me mettre 14. C'est moi qui ai pas suivi le stream ou c'est vous là? Attendez. Ouais non, c'est bien ça, vous avez pas suivi le live. Non, c'est bon. C'est toujours parce que vous avez pas l'image, c'est bon, c'est bien le 14. C'est effectivement le 14. Ok, merci à tous. Alors, on continue. Oh, j'ai quand même vérifié, on sait jamais. Je voulais vérifier que c'était bien moi qui avais l'image. On sait jamais, on sait jamais. Non mais je sais pas, moi... Pourquoi il me fait plus les... Ok, c'est bon. Graveyard. Un peu de musique SVP. Il y en a ! S'ils atterrissent par miracle sur la rampe du pont, ils doivent recommencer, les pauvres. Mais ils peuvent pas arriver sur la rampe du pont. Je sais pas, non ? Ouais. J'ai pas de musique non plus. On ne dit pas j'ai pas de musique, mais j'ai pas mis assez fort et Zerator va me casser les oreilles si je mets trop fort. Dites plutôt ça. Regardez, quand je suis en face de l'herbe, ma tête devient verte. Et du coup, je deviens presque transparent pour voir, pour laisser apparaître le jeu. Ça, c'est le problème de mapper du golfite, hein. Problème de mapper du golfite dans la cambrousse, quoi. Je suis vert. Tant pis, c'est pas grave. C'est le dernier trou pour ce soir. Ouais, je pense. Oh, on a vachement bien avancé, hein. Ok. Voilà, un homme translucide. Mais non, c'est quand qu'il rejoue à Doom? Bientôt! On va bientôt rejouer à Doom. Regardez le titre. Oh non, mais il m'a rescalé. Ah non, c'est bon. Le même virage mais dans l'autre sens. Il faudra aller par là direct. Après, je mettrai de la déco et tout, mais... Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions par rapport à la date de Zilan, est-ce que ça aura lieu, machin. Allez voir mon tweet épinglé, tout est indiqué. J'ai fait un petit résumé exprès pour que vous puissiez avoir les informations. Oh, c'est marrant comme tout, ce bloc. Ah oui, c'est normal. Mmh.
je vais pas mettre ça. Non, j'ai pas fait de parcours avec du wall ride. Ça m'intéresse pas trop. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop l'idée, enfin le concept des blocs de wall ride dans Golf It. Oh, ah, c'est marrant, il est pas collé. Ah ouais. Ok, je pense pas que c'était fait comme ça ce bloc là. En fait, il remonte un peu là. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ok. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh, rien, c'est du lore. Faites pas attention. Merde. Mais c'est pas le bon bloc en fait. Voilà. Bah non. Je voulais que tu descendes pour faire la symétrie de ce même bloc. Enfin la continuité. Voilà. Oh merde. Putain, ils sont hardcore à utiliser ces blocs. Tam tap tap tap. Belémon s'est fait offrir un sub par un anonyme. Ou Belémon. Difficile de savoir. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Oh là là. Je vois pourquoi vous avez fait ça. Mais bon, quand même. Voilà, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait un genre de virage à droite. Et on va se servir des lanes pour ça, je pense que ça ira. En remarque, pour avoir un giga virage à droite, peut-être que ce sera que dans les user content. Parce que ça, c'est des virages à droite, mais qui montent. En remarque. Ah, remarque, ça peut être sympa, ok. Le bloc gentil pour faire un saut de cut. Le bloc gentil. Ça va devenir votre nouvel ami. Le bloc gentil. Mais tant mieux, hein, il mérite. Hein. Moi, je vous l'ai dit, c'est le bloc gentil. Mais pourquoi ? Ah ouais, d'accord, c'est l'un ou l'autre. Ah, j'avais pas vu. Putain, bien joué. Ça, c'est un truc qui monte, mais il y en a aussi qui descendent. Ceux-là, ils descendent. Y'a pas le même mais sans barrière. Non, y'a pas le même mais sans barrière. Ok. C'est plutôt en 48 coups. Ah non, croyez pas hein. On se déplace assez vite sur ce terrain. Ah c'est ça les fameux wall ride. Marrant. C'est ça là. Big Quarter Ramp Extender. Stylé. Super stylé en vrai. Il ouvre le bloc, voilà, je vais dire qu'il fait écho à celui-là. Ah voilà. Exactement ce que je cherchais.
Oh, par contre. Boum, 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 boum. En fait, ça c'est pas si dur, hein. Vous pouvez aller tout droit. Vous pouvez tout à fait aller tout droit. Et si jamais vous vous plantez. En fait, si tu pars bien, c'est toujours pareil. Si tu pars bien, c'est bon. 14! Sachant que tu peux cut de là en allant là-bas. En fait, en gros, mon objectif c'est que les gens qui arrivent là, ils tirent très fort, qu'ils fassent tout le long du truc. Et que là, ils fassent whoop et qu'ils sautent là. Enfin, ceux qui sont chauds, quoi. Ceux qui sont chauds du slip. Non, mais c'est infaisable. En fait, c'est infaisable si je mets pas de barrière. Je vais mettre des barrières. Voilà, là, c'est faisable. Très difficile, par contre, je pense. Mais faisable. C'est vrai que je vous ai habitué à des trous où on peut jouer en 3-4 fois. Super! Top hat white! Trop de la chance. Il y a plein de trucs qui touchent le sol là, non? Non, remarque, ça va. Celle-là un peu. Ok. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merde. Alors. Merde. J'aurais pas dû aller là. J'aurais dû me retrouver genre plutôt là, on va dire. Donc ça c'est 1. On peut aller loin là. 2. C'est à peu près où je voulais aller, mais j'aurais dû me mettre de l'autre côté. Attendez, du coup, on va faire l'inverse. Ah ! Non. Merde. Ok, donc 2. Ah, quoique. Ouais, non, si, c'est bon. Donc 2. Hmm. 3. Ok. Oh putain. Attendez, est-ce que si on se met là? Je vais regarder, je vais vérifier si ce que je pensais faire était faisable ou pas. On est quasiment obligé, hein. Voilà, un truc comme ça. Donc 4. Merde. 4, on va dire. Et 5. Ok, donc 5 si on se traîne. Et probablement 6, 7, 8... 7, probablement par 7, je pense. Je pense par 7. Je vais le refaire quand même une fois. En safe, c'est 7 ou 8. Ouais, je pense. T'étais à 6. Ouais, peu importe, de toute façon. Donc 1. Oh merde. Ah! De... Oh, même mieux en fait. Ouais, non, ça paraît trop chaud quand même. C'est pas safe. Oh là. Faut arriver après la planche en fait. Voilà, 2. Ça, c'est le vrai 2.
Et là, en fait, on peut aller là-bas. Hein. Je pense qu'il faut aller là-bas. Hein. C'est clair. C'est clair qu'il faut aller là-bas. Ouais, c'est trop facile. Ça, je l'enlèverai avec la déco, je pense. 3. Oh, on peut faire un truc pas mal, là. 4. Ah, dommage. Oups. C'est chaud ce passage. Hein. Avec le rebond et tout. Oh là 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 là. Ça, ça va être un trou stylé à observer parce que avec les gens qui vont s'entraîner, le premier qui va trouver la route, certes, il la donnera à tout le monde, mais ça va être un petit peu chaud de... Ah, ah. Non, c'est vraiment chaud, ça. Hein. Hmm. Ah, c'est vraiment difficile, hein. Voilà, c'est un peu ça dans l'idéal. Et là, 1, 2, 3. Pas du tout. Pas du tout. Ok, donc ça, faut que ça reste possible, évidemment. C'est normal. Par contre, le fait d'être là et d'aller là-bas, ça, je vais le cut avec de la déco qui sera probablement ici. Un gros panneau, là. Je vais me le mettre déjà. Par 7, 8. Je pense que je vais mettre par 8, en vrai. De toute façon, au pire, c'est des trucs... Enfin, encore une fois, hein. Faut pas croire que tout ce que je fais là, je le modifierai pas, et tant pis si les joueurs y font moins ou quoi. Non, non, non. Je modifierai pour que ce soit le plus adapté possible. Qu'est-ce que je vais mettre, là? Pour me dire qu'il n'y a pas de cut, puis il faut pas de cut. Mmh. Une grosse tombe. Paf! Non, faudrait que je modifie le sol si je voulais faire ça. Mettre un truc de Winterland. Ah! Je voulais pas dire Winterland, je voulais dire Grassland. Ils ont même fait ça, putain, énorme. Sinon, je fais un mur comme ça, hein. Je vais faire ça pour l'instant, je le corrigerai plus tard. C'est juste pour me donner un point de repère pour dire là c'est pas possible. C'est encore que là on peut presque passer par-dessus. Ok. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Là je mettrais bien un... Ah je sais. Ah je vais mettre un truc hyper fin. Mais que si t'arrives à le prendre et avoir l'angle, et bah t'es fort. Et tu mérites. Putain, ça c'est trop mal fait. Ok. Voilà. Ensuite. Hop. Et enfin, en scaling X. Giga fin. Voilà. Même peut-être un peu plus fin en fait. Par contre c'est trop de la merde parce que c'est trop moche. Parce que c'est pas du tout le bon environnement. Je sais pas comment j'ai affiché ce truc pour mettre du texte. Yes. Merci à tous. TTTT.
Graveyard. Il me faut une planche de graveyard. Ah, mais il n'y aura évidemment aucune planche qui va s'apparenter à ce truc. Comment faire? Tu peux cut direct au drapeau avec la bosse côté gauche ou pas? De quoi vous parlez? Ça là? Non, impossible. Et là, vous voulez dire? Si t'es là et que tu vas au drapeau avec la bosse, bah franchement c'est mérité. C'est mérité, j'ai envie de dire. Ça peut être une solution, hein, pour le all-in-one. Le lore voudrait que ce mur de briques reste. Peut-être, qui sait. Si ça se trouve, il restera. Attendez, il faut que je finisse ça, là. Faut que je fasse ça, là. Faut que je fasse ce truc, absolument. Avec le couteau, ouais, le couteau. Le truc, c'est que le couteau, il va falloir l'étirer à fond. Je sais pas si ça va pas rendre moche. On peut tenter, hein. Mais le problème, c'est que ça va faire quoi quand on va faire ça? Ouais, pourquoi pas. Franchement, ça me va. Ça me va nickel. Ah, par contre, c'est pas plat. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas une transition. Ah si, là, tu descends. Ouais, c'est marrant, c'est comme s'il était posé sur le truc, là, parce qu'il l'avait tranché un peu. En vrai, c'est marrant. Je sais pas si la transi... Ouais. Je sais pas. Hein. Je sais pas, je sais pas. Faut tester. Pour un cut, c'est bien. Ah, c'est sûr, le cut symbolisé par un couteau. C'est vrai que c'est pas mal. Faut essayer. Ouais, faut essayer, mais le problème, c'est que tester dans ce jeu, c'est un peu relou parce qu'il faut retourner là-bas. Oh là là, bah, bravo ça. La fois, j'aimerais mettre le jeu en x2 en disant oui, bon, d'accord, je sais où va aller ma balle. Allez, vas-y, amène-moi maintenant, s'il te plaît, vas-y, on perd du temps, vas-y, vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Change de point de spawn. Ouais. Probablement ce qu'il faudrait que je fasse. Si j'avais pas la flemme. Je vais retomber. Yes. Yes, yes, yes. Ah, attendez, faut que je me mette bien devant pour voir si c'est faisable. C'est même assez facile. Mais ça tombe bien. Ça va être le plus dur dans ce cut là, c'est d'arriver au niveau du couteau. Enfin, c'est d'arriver au milieu du couteau. D'ailleurs, si tu vas un peu vite, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc sympa? Et non, parce que là, tu retombes. C'est tout la lard du truc. Ton abonnement n'est pas gratuit avec le confinement, vu que t'es un peu la multinationale de Twitch. J'aimerais proposer des subs gratuits, mais il y a des généreux donateurs qui font que. Il y a des subs gratuits. Par contre, les rediff le sont, elles. Ça, c'est sur quoi j'ai le pouvoir. Merde. Pas besoin de couteau pour le cut. Bah oui, je sais, tu peux passer par là, ouais. En fait, à la base, c'est pour ça que j'avais mis des montagnes, entre guillemets. En fait, en gros, c'est ce que je me disais au début. Je me disais, est-ce que c'est la peine de faire un truc là, alors que normalement, si t'arrives ici et que tu te diriges là... Bah là, en théorie, il y a ça, quoi. Il y a ces montagnes. Ouais. Mais je voulais essayer.
Mais ouais, non, je pense que c'est mieux. Inutile le coup du cut, un pour te positionner, un coup pour te positionner, un pour passer. Non mais vous dites ça, mais si t'arrives ici... Imaginez si t'arrives ici avec ton option... Enfin non, si t'arrives là, allez. Avec ton option, c'est soit prendre le cut, soit passer par là. Imagine si t'arrives pas à faire ça, tu fais un coup pour aller là. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors que là, c'est 1 et 2. Donc ça sera toujours utile. Hein. Ça peut être horrible. Hein. C'est bien le couteau, pas bloquer les montagnes plutôt. Non, c'est mieux, je trouve. Regardez l'idée du couteau pour un autre trou. Le couteau pour le lore. Après, si vous voulez... Ah, par contre, on peut faire un truc, si vous voulez. Attendez. Si vous voulez garder vraiment le couteau pour le lore... On peut le mettre, mais là. Voilà. En fait, j'aurais préféré le mettre un peu dans la... Un peu dans l'herbe, vite fait. Pourquoi ? Parce que je me dis que si quelqu'un est là, s'il tape très fort et qu'il tape là-dessus, pouf, il pourra rebondir et arriver là. Ça, ça pourrait être vachement sympa. Voilà, le lore. Comme ça, tu peux toujours cut avec. Un rebond lucky. Pas un rebond lucky, en vrai. Il suffit de taper assez fort pour que ta balle ne touche pas l'herbe avant d'arriver sur ça, là. Sur le début du manche. Et normalement, ça passe. Normalement, ça passe. Ok. Bon, bah cool. Et bah écoutez. Voilà. Hein. Ça, c'est le trou 16. Donc, 15. Il manque le trou 15, 17, 18. Donc je pense qu'en une session de mapping, on arrivera à finir les trois trous qui manquent. Et après, il faudra faire la déco et voilà. On sera bien. On sera bien. 8 minutes pour le 15. C'est pas mal, non? Demain fini. Est-ce qu'on fera demain? Je sais pas. C'est quand la déco? La décoration, bah, je sais pas, peut-être je la ferai en nocturne chill ou je pense pas que je la ferai en live prime time, je sais pas, j'en ai aucune idée. Tu peux remontrer tous les trucs que t'as fait ce soir? Ouais, carrément, on va faire ça, on va faire un récap de tout ce qu'on a fait ce soir. Donc le premier trou qu'on a fait, il est ici. C'est le trou chocolate. Qui, selon moi... se prend comme ça. On va d'abord ici. Et ensuite, on va ici. Oups. Sauf que non. Si on est un peu plus entraîné, on fait ça. Et on va là. Voilà. C'est comme ça qu'on le prend. Et là, normalement, on met le trou. Donc, premier trou qu'on a fait ce soir. Deuxième trou qu'on a fait ce soir. Celui-là. Celui-là, il est un peu particulier parce que... En fait, il faut juste passer sous les anneaux, passer la barre et aller au trou. Mais si on va ici, il y a des zones de reset. En fait, si on sort des anneaux, il y a des zones de reset. Il y a des zones de reset. Par exemple, là, si je me dis, ah, ben c'est pas grave, je cut par là. Hop. Bon, mauvais exemple, j'ai raté. Hop. Et ben en fait, non, il y a des zones de reset, je peux pas y aller. Donc, faut vraiment passer par les anneaux et bien jauger sa force. Donc, c'est un peu un trou sur lequel on doit taper très très doucement. Voilà, une fois qu'on est arrivé là, hop! Bon, j'aurais pu le mettre, évidemment. Hop! Et là, pas trop faible, sinon hop, on tombe. Voilà, on a fait ça. Ensuite, on a fait celui-là. Merde. Donc le trou 12. Raté. Raté. Voilà. Oh! On fait ça. Donc vous voyez, il y a tout un escalier pour monter. Mais sinon, normalement, on fait un truc dans le genre. Raté. Bon, cela dit, j'arrivais quand même dans une zone qui est un raccourci, mais... Ah, ah, c'est moins évident que ce que je croyais, en fait. Bon, on arrive là. Hop. Voilà. Ensuite... Trou numéro 13. Ça, c'est le trou rigolo quand même. Donc, on a fait une grosse barre
pas une fine barre, mais bien longue à prendre. Il faut être bien précis pour arriver dessus, voilà. Avec une petite bosse quand même. Là, une deuxième petite bosse, hop. Et ensuite, normalement, si on va tout droit sur cette, sur ce paravent là, eh bien, on arrive dans le trou final. Et j'ai pas fait assez fort, donc tant pis. Tant pis, tant pis. Hop. Voilà. Ensuite, on a fait... ensuite, ce sera celui-là, en fait. Ensuite, ce sera celui-là. Même si c'est pas celui qu'on a fait après. Ce sera celui-là, le trou 14. Donc, qui, je pense, est le trou qui nécessite le plus de coups actuellement qu'on ait fait sur cette carte. Qu'on soit entraîné ou pas, hein. Ça va être 5-6 coups minimum. Enfin, 4-5 coups minimum, je pense. Ah ! Raté. Il y a vraiment deux possibilités pour prendre ce truc, mais ok. What ? Il y a une bosse, là ? Pourquoi il y a une bosse, là ? Je sais pas. Ok, hop. Ah ! On va redescendre. On redescend. Ok ! Ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe. Ça passe encore. Raté. Voilà. Et enfin, donc le trou 15, on l'a pas encore fait. Et le trou 16, ce sera celui-là. Donc là, ça va être pour tester la force que vous mettez dans votre souris. Là, j'ai pas fait assez fort, typiquement. Là, j'ai pas fait la bonne trage, au secours! Oh non, le pire endroit pour s'arrêter. Oh, et encore, quoique. Raté. Non, tombe pas. C'est bon, pas mal, pas mal. Ah ! Oh oui, les fagots de bois qui font rebondir. Je n'y avais pas pensé. Formidable. On laisse, on garde, on garde. On adore à la rédac. Bon bref, vous avez compris, c'est une grande... Oh, c'est une grande ligne droite. Il y a des souris qui vont voler dans la salle sur ce trou. Voilà. Voilà ce qu'on a fait ce soir. Alors ça se joue vite, mais c'était assez long à mapper parce qu'on a fait pas mal de décorations, notamment voilà sur cette... sur cette map, ici, où on va, je vais encore ajouter de la décoration ici. Là, j'aimerais bien faire une grande forêt qui va tout le long. Et là, pareil, il faudra faire que tout ça ne vole pas. Là, j'aimerais bien faire un truc un petit peu plus smooth. Peut-être faire une petite cascade ou quoi. Peut-être une rivière sous le pont, je sais pas, j'en sais rien. Trouver un truc. Et voilà, donc il restera le trou numéro 15, le trou numéro 17 et le trou numéro 18. Et on aura fini le mapping de cette carte Golfit pour la Zilan. Après, on pourra faire Satisfactory avec Kenny. Après, on pourra faire peut-être le Bounty Twitch Anno, plus le début du nouveau DLC le 23 mars. faudra faire aussi la déco ici, là. Après, on pourra faire Doom Eternal, je sais pas, il y a beaucoup de trucs à faire. Voilà. Ça va être sympa. Tu vas la publier sur le workshop. Ouais, évidemment. Évidemment, évidemment. Ça va être le labyrinthe. Non, pas le labyrinthe, pas du tout. Ça va être très clair, cette carte. Tout va être très très clair. Bon, bref, voilà, c'était bien rigolo. Une idée de quand est-ce que le marathon finement aura lieu. Alors, écoutez, demain, c'est assez important, demain, ce qui se passe. Demain, donc je serai en live, évidemment, comme tous les jours, hein, pendant le confinement. Demain, il va se passer quelque chose d'assez important. On va lancer le marathon finement. Je vous expliquerai ce que c'est. C'est un truc dans lequel vous pouvez gagner des lots si vous jouez à des jeux vidéo et que vous êtes fort à ça. Ok ? Il va falloir être fort et ou organisé. L'un des deux, d'accord ? Attendez une seconde, il y a tous les chapeaux là. Voilà. Donc, je vous expliquerai tous les détails demain. Et pour ceux qui travaillent lundi, c'est mort. Laisse tomber. De toute façon, c'est un truc pour organiser les gens qui sont confinés, hein. Donc globalement, si vous travaillez, c'est non.